C'est vrai, ils ont 2-3 joueurs techniques qui marchent sur la balle et tout, mais bon, ça apporte pas de but. Hein. J'ai jamais vu un joueur de foot faire un tour du monde sur le terrain. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau concept qui s'appelle le Boost 40. On est en direct de Sevran Bodot pour affronter l'équipe de Maes à l'occasion de la sortie du FIFA 21 qui verra le jour le 9 octobre 2020 prochain. La vidéo va se dérouler en 3 parties. Dans un premier temps, on va les affronter sur ce terrain, un match 6 contre 6. Ensuite, il y aura un défi. Faudra pas prendre de petits points, on vous le réexpliquera un peu plus tard. Et dans la troisième partie, ça sera un match sur le mode Volta sur la PS4. Si vous ne le connaissez pas, c'est le mode Street de FIFA. Je vous donne une information très très importante. Début octobre, il y aura un tournoi qui s'appelle Lâche la manette qui aura lieu sur cette même chaîne qui mixera artistes et influenceurs. Ils vont s'affronter lors d'un tournoi et le gagnant sera récompensé. On remercie eSports bien évidemment pour la confiance. Je vous ai donné toutes les informations, je pense qu'on peut se lancer dans cette vidéo. C'est parti. Moi je suis blessé, hein. Ça veut dire, je le dis face caméra, bien quoi la famille. Voilà, je suis blessé, ça veut dire, gars, dis-lui qu'il commence à se préparer. Voilà, j'ai des cloques et tout, là, bizarre mon frère. Je suis dans le quartier, lunettes quartier, comme on changeait, tout est carré. Là t'as merdé de ouf. Tu dis que c'est ma faute, c'est lui qui a dit ça. C'est qui qui a dit ça? C'est Maes. Ah ouais, mais oui. T'as dit fais-moi la passe, la passe. T'as mis un triangle. Ah ouais. Normal. Et voilà, et cross, c'est sa meilleure passe en fait. Là-bas, là-bas, y'a plus, Putain, le terrain il fait 50 mètres. Attends, j'ai un peu de souffle. Ah ouais, j'avais oublié de dire, voilà, c'est à préciser. Je suis rentré chez moi, il était 6h du matin. Je prépare un projet, ça arrive, restez branchés. Ah mais les gars, moi je perds pas ce match, il y a 1-0, à la mi-temps on revient ultra déterminé, on renverse la situation, d'accord? C'est pas terminé. C'est vrai, ils ont 2-3 joueurs techniques qui marche sur la balle et tout, mais bon, ça apporte pas de but. Hein. J'ai jamais vu un joueur de foot faire un tour du monde sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va tenter de faire en deuxième période? Non, je m'en bats. Respirer, survivre. Et avoir le ballon un peu plus, parce que là, première mi-temps, comme je l'ai dit, position de balle incroyable pour eux, 80% pour eux, 20% pour nous. Il a dit 80%, wesh, il abuse. C'est pour être sympa, il a dit ça, hein. Mais en vrai, c'est du 49-51. Bien joué! Victoire. Bien s'hydrater, j'aime bien l'eau. Dans 2 ans, il n'y en aura plus. Je viens recueillir vos impressions, alors vos impressions sur ce match, monsieur. Écoute, j'ai un coup franc qui partait en pleine lucarne. Ouais. Et un bâtard, il a mis son vieux cul. Oh là là. On va dire que l'équipe en face, ils étaient bons, mais ils se connaissaient peut-être pas assez par rapport à nous. Nous, t'as vu, on a grandi ensemble, oula, ça veut dire que c'est un petit peu normal, oula. Vous avez tout, possession de balle, vous avez le pied sur le ballon, maîtrise du jeu complète. On a été incapable de faire quelque chose. Alors moi je me suis dit ça devient un peu trop facile. Après je me suis dit en vrai je crois que c'est notre niveau, il est trop haut. Le coach qui fait le placement dès le départ,
il veut une défense en deux, on joue à 6. Un numéro 10 récupérateur qui fait aussi office de 6, avec deux ailiers attaquants qui sont obligés de faire le repli défensif dès qu'il y a une contre-attaque. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Voilà. La famille, on vient de finir le match, on a perdu 3-0, on a encore le temps de se rattraper. Là, on va passer au défi Petit Pont, donc Trafi. Voilà, vous le connaissez peut-être, roi du Petit Pont. Alors on va passer chacun notre tour, Maes d'abord, ensuite moi, autour du cercle, on va former un cercle. Le premier qui prend un petit pont, il a perdu. Celui qui gagne cette manche, il marque 2 points sur le score final. Donc on y va, c'est parti. Si je te mets maintenant pas cette manche, je suis pas là. Numéro 10 sur le raté, 10 balles là. Bébé maintenant pas cette manche. Eh les gars, on va pas droit de niveau aujourd'hui, hein. Donne toutes ces informations, demande-moi. Mais je crois que j'ai écarté là. Combien de temps? C'est plus, Trafi, c'est maintenant. 5, 10 secondes. 4, 3, 3, 2, 1, c'est plus. Bien joué. Laissez plus longtemps, fallait pas laisser debout. Non, fallait laisser plus longtemps. Mets-le-moi comme ça, le gars. Ah shit. Il y a que des petits tentatives de Colombien. Il mène donc 5-0, je dois mettre minimum 5 buts, 6 buts si je veux gagner. Le défi final, on y va, c'est parti. On a terminé le match qu'on a perdu 3-0, ensuite on a fait le défi Petit Pont qui l'a remporté, parce que du coup c'est moi qui me suis pris un petit pont, donc il a marqué 2 points en plus, il mène 5-0. Les scores se cumulent, donc là on va continuer mode Volta sur la PS4, on va voir qui gagne, sachant que si je mets 5-0 sur le mode Volta, je reviens à 5-5. Oh, si je mets 6-0, 6-5, 7-0 et ainsi de suite. Les gras forts, oui. Je vois pas comment ça peut être l'inverse dans le score. Il va pas le bleu. Donc on va voir ce que ça donne, on y va. C'est parti. Je suis génération sniper pris pour cible. Neymar défenseur. Hein. Ouais, mais tu connais, c'est 5 contre 5, ils vont pas le sentir. Neymar, il va faire attaque-défense. Ah ouais. Ouverture du score, Virgil van Dijk. 1-0, donc la remontada est en marche. 5-1. Voilà. Ouais, je fais quoi le gardien? Mais lui, fini. Ouais, je gardien. 5-2. C'est bien, il fait des trucs bizarres. Les coéquipiers sont dégoûtés là, ils ont fait tout un travail depuis tout à l'heure. Là, ils te matchent, tu te fais lessiver. 5-3, y'a rien, t'inquiète pas. Toi, tu joues à FIFA Street à l'ancienne un peu ou quoi? Ouais, j'aimais bien. Franchement, bien, j'aimais ça, bien. FIFA Street, quand même, du Ronaldinho tout ça. Ouais, de ouf. Ronaldinho dans la vraie vie, on dirait, il était déjà sur FIFA Street. De ouf. Waouh. Lui, il est cheaté, lui. Voilà. C'est trop comment il allume. 4-1, donc ça fait 6-4. Encore 2 buts. C'est comment le PSG, tu as cru cette année en Ligue des Champions? Franchement, j'y ai cru, hein, jusqu'à la dernière minute, mais. Mais je trouve que Neymar, tu vois, il a pas joué la finale qu'il devait jouer. C'est ça. Après, Mbappé aussi, il est pas très efficace pendant la finale. Après, ça reste des grands joueurs, hein. Moi j'aurais pas fait mieux. Déjà, c'est bien, finale. Ouais, sur l'année prochaine. Oh là là, pendant qu'on parle, t'as vu, je le matrix, bam, je mets des buts. Il reste 1 minute 50. Je vais garder la balle pendant 1 minute 50. Fini. Wouah. 18. Oh là là. Remets-lui. Oh là là, garde la balle. 19. Tranquille. Il reste 20 secondes. Tiens. Oh le bâtard. Voilà. 11-9, c'est terminé. Bien ouais, Jean. On a bien ouais, mon frère. Famille, le match il se termine, yeah, ouais, en score cumulé, il remporte 11-9 parce qu'il a aussi remporté le match sur le mode Volta. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter 4 équipes. Le PSG, le Real Madrid, l'Inter et Liverpool. La carte que tu vas tirer, c'est l'équipe que tu vas représenter lors du tournoi Lâche la Manette début octobre. Okay. C'est bon ou pas? Vas-y, ça marche. Ok, PSG. Paris Saint-Germain, comme par hasard. L'équipe de base. Tu représenteras le PSG. Comme jamais. Tournoi Lâche la Manette. J'espère que tu vas gagner. J'espère aussi. Hein. Je te le souhaite. De toute façon, merci. Le gagnant sera récompensé.
Vous connaîtrez votre récompense quand vous commencerez là-bas. J'espère que ça va être une bonne chance. Franchement, c'était lourd. Hein. C'était comment? Oh là, c'était lourd. Débrief-nous le match, ton point de vue sur le match déjà. Le match, bah, vous avez une équipe de malades. Hein. Franchement, vous avez des bons joueurs. Voilà, vous avez des. Toi, tu sais, wesh. T'as gagné 3-0 et dis ça. Non, c'est... mais après, ça veut rien dire. Il lit un peu. Ça veut rien dire. Non, bah, c'est vrai, c'est vrai. Barcelone, ils ont perdu 8-2, mais Messi, il est fort. On se revoit quand? C'est... Bah, rapidement. C'est quoi la suite? Bien, juste après l'interview, on continue le match. Donne-nous juste des petites informations sur la suite. Ça bosse sur un projet. 2020, 2021. 2020, 2021, c'est ça mon souffle. La famille, restez branchés. Encore des Bouscarinté qui arrivent. Babanks.